Laudetur Iesus Christus, loué soit Jésus Christ. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct pour l'audience générale de ce mercredi 10 janvier du pape François depuis la salle Paul VI du Vatican. De nombreux fidèles et pèlerins sont déjà installés et attendent donc l'arrivée du Saint-Père, le pape qui rejoindra donc cette salle dans quelques minutes. Merci à tous ceux et celles qui nous suivent en direct via Facebook, YouTube et notre site internet vaticannews.va. Merci également à nos radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en France, Radio Notre-Dame, EWTN TV, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, RCF Radio Chrétienne en France, Radio et TV Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo toujours, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Santa Maria Network au Liban, Voix du Seigneur, Média catholique au Canada. Myriam Sanduno au micro pour vous servir. Comme vous le savez, tous les mercredis, des fidèles et pèlerins viennent nombreux pour l'audience générale du pape François, tout joyeux, comme vous pouvez le voir à l'instant même, au programme donc des célébrations liturgiques en ce début d'année pour les mois de janvier et février, donc pour le pape François. Le 21 janvier prochain, le Saint-Père présidera la messe du dimanche de la parole de Dieu. Ce sera donc à partir de 9h30 en la basilique Saint-Pierre, une annonce qui a été faite hier par le bureau des célébrations liturgiques. Et le 25 janvier à 17h30, la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs accueillera la célébration des secondes vêpres en la solennité de la conversion de Saint-Paul. Un événement œcuménique traditionnel qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Autre programme du pape François, cette fois pour le mois de février, le 2 février précisément, en la fête de la présentation du Seigneur, journée dédiée à la vie consacrée, le souverain pontife présidera la messe en la basilique Saint-Pierre à 17h30, entouré donc de religieux, de religieuses et de moniales. Voilà donc le pape François qui fait donc son entrée sous ces applaudissements des fidèles et pèlerins présents dans la salle Paul VI du Vatican. François qui avance. Et donc, dans quelques minutes, va débuter cette audience générale du pape François qui va maintenant s'installer. Avec ces applaudissements donc de ces pèlerins, de ces fidèles. Ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Et maintenant débute l'audience générale de ce mercredi 10 janvier depuis la salle Paul VI du Vatican. Dal libro dei Proverbi. Le texte du jour lu en ce moment en italien est tiré du livre des Proverbes 23, 15, 20, 21. Il sera lu ensuite en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en arabe et en polonais. Perché l'ubriacone e l'ingordo impoveriranno e di stracci li rivestirà la sonnolenza. Parola di Dio. «
Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, si tu as le cœur sage, mon cœur à moi se réjouira. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent et qui font bonne chère, car l'ivrogne et le glouton courent à la ruine. Ils se réveillent un jour vêtus de haillons. Parole du Seigneur. A reading from the book of Proverbs. My son, if your heart is wise, my heart too will be glad. Be not among heavy drinkers of wine, or among gluttonous eaters of meat, for the drunkard and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe a man with rags. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, so freut sich auch mein eigenes Herz. Gesell dich nicht zu den Weinsäufern, zu solchen, die im Fleischgenuss schlemmen. Denn Säufer und Schlemmer werden arm, Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. No te juntes con los borrachos ni con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen y la modorra hace andar vestido con harapos. Palabra del Señor. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração. Não te juntes com bebedores de vinho ou com aqueles que devoram carne, porque o ébrio e o glutão se empobrecem, e a indolência os vestirá de andrajos. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الأمثال. يا بني، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. لا تكن بين المدمنين للخمر والملتهمين للحم، فإن المدمن والملتهم يفتقران، والنوم يلبس الثياب البالية. كلام الرب. Czytanie z Księgi Przysłów. Synu, gdy mądre Twe serce, także moje serce się cieszy. Nie bądź z tych, co upijają się winem lub obżerają się mięsem. Bo pijak i żarłok są w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach. Oto Słowo Boże. Voilà, le pape François va maintenant prononcer sa catéchèse en italien. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre catéchèse sur les vices et les vertus, nous nous penchons aujourd'hui sur le vice de la gourmandise. Que nous dit l'Évangile à ce sujet ? Regardons Jésus. Son premier miracle aux noces de Cana révèle sa sympathie pour les joies humaines. Il veille à ce que la fête se termine bien
et donne aux mariés une grande quantité de très bon vin. Se Giovanni è ricordato per la sua ascesi, mangiava quello che trovava nel deserto. Et tout au long de son ministère, Jésus apparaît comme un prophète très différent du Baptiste. Si l'on se souvient de Jean, pour son ascétisme, il mangeait ce qu'il trouvait dans le désert. Jésus est au contraire le Messie que l'on voit souvent à table. Son comportement suscite le scandale car non seulement il est bienveillant à l'égard des pécheurs, mais il mange même avec eux. Mais il y a autre chose. Si l'attitude de Jésus à l'égard des préceptes juifs révèle sa pleine soumission à la loi, il fait cependant preuve de compréhension à l'égard de ses disciples. Lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de faim et qu'ils ramassent des épis le jour du sabbat, il les justifie en rappelant que le roi David et ses compagnons, se trouvant dans le besoin, avaient eux aussi transgressé un précepte. Mais surtout, Jésus, par une belle parole, affirme un nouveau principe. Les invités aux noces ne peuvent pas jeûner. Quand l'époux est avec eux, ils jeûneront. Quand l'époux leur sera enlevé, tout est désormais relatif à Jésus. Quand il est au milieu de nous, nous ne pouvons pas nous affliger, mais à l'heure de sa passion, alors oui, nous jeûnons. Jésus veut que nous soyons dans la joie. Un autre aspect important, Jésus abandonne la distinction entre aliments purs et impurs, qui était l'une des pierres angulaires de certaines cultures du monde antique. En réalité, enseigne Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. C'est ainsi qu'il déclarait pur tous les aliments. Quand nous voyons une personne en train de manger, nous voyons comment elle réagit, comment elle se précipite pour manger. Et Jésus valorise le cibo, le mangiare, anche. Cette relation sereine que Jésus a établie avec la nourriture doit être redécouverte et valorisée, surtout dans les sociétés. On mange trop ou pas assez. On mange souvent dans la solitude. Les troubles des comportements alimentaires se répandent. Anorexie, boulimie, obésité, et la médecine et la psychologie tentent de s'attaquer au mauvais rapport à la nourriture. Il s'agit de maladies souvent très douloureuses qui sont principalement liées à des tourments de la psyché et de l'âme. L'alimentation est la manifestation de quelque chose d'intérieur, la prédisposition à l'équilibre ou à la démesure, la capacité de rendre grâce ou la prétention arrogante à l'autonomie, l'empathie de ceux qui savent partager la nourriture avec les nécessiteux ou l'égoïsme de ceux qui accumulent tout pour eux-mêmes. Cette question est très importante. Dis-moi comment tu manges et je te dirai quelle âme tu possèdes. Dans la façon de manger se révèlent nos habitudes, notre intérieur. Les anciens pères donnaient au vice de la gourmandise le nom de gastrimargie. Terme que l'on peut traduire par folie du ventre.
La gourmandise est une folie du ventre. Il y a un proverbe qui dit « Nous devons manger pour vivre et non vivre pour manger ». C'est un vice qui se greffe sur l'un de nos besoins vitaux comme l'alimentation. Et si nous la lisons d'un point de vue social, la gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète. Car le péché de ceux qui cèdent devant une part de gâteau, somme toute, ne fait pas grand mal, mais la voracité avec laquelle nous nous déchaînons depuis quelques siècles sur les biens de la planète compromet l'avenir de tous. Nous nous sommes jetés sur tout pour devenir maîtres de tout, alors que tout était confié à notre garde. Voilà donc le grand péché, la fureur du ventre. Nous avons abjuré le nom d'homme pour en prendre un autre, celui de consommateur. Aujourd'hui, l'on parle ainsi dans la vie sociale. Nous ne sommes même pas aperçus que quelqu'un avait commencé à nous appeler ainsi. Nous étions faits pour être des hommes et des femmes eucharistiques, capables d'actions de grâce, discrets dans l'utilisation de la terre, et au lieu de cela, nous nous sommes transformés en prédateurs. Et maintenant, nous nous rendons compte que cette forme de gloutonnerie a fait beaucoup de mal à nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous aider à être sur la voie de la sobriété. Je vous remercie. Voilà, c'était donc la catéchèse du pape François qui s'est poursuivie sur les vices et les vertus. Et le Saint-Père a mis l'accent aujourd'hui sur le vice de la gourmandise. Maintenant, voici le résumé de cette catéchèse en français. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, dans notre parcours sur les vices et les vertus, nous nous arrêtons aujourd'hui sur la gourmandise. Que nous dit l'Évangile à son sujet ? Tout d'abord, que Jésus est très différent du Baptiste et de son ascèse. Jésus est souvent vu à table. Son premier miracle, aux noces de Cana, nous révèle sa sympathie pour les joies humaines. Vis-à-vis de la loi juive, Jésus fait tomber la distinction entre aliment pur ou impur, en enseignant que c'est ce qui sort du cœur de l'homme et non ce qui entre dans son corps qui le rend impur. Dans nos sociétés du bien-être, qui voient tant de pathologies de l'alimentation, le rapport serein que Jésus a établi vis-à-vis de l'alimentation devrait être valorisé et redécouvert. Notre alimentation manifeste notre intériorité, équilibre ou démesure, action de grâce ou prétention d'autonomie arrogante, empathie du partage ou égoïsme de l'accumulation. D'un point de vue social, la voracité vis-à-vis des biens de la planète met en danger l'avenir de tous. Soyons des personnes eucharistiques, capables de remercier et discrètes dans l'usage de la terre et non des prédateurs. Que l'Évangile nous guérisse de toute gourmandise. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, particolari seminaristi del seminario di Parigi.
Il Collegio San Giuseppe di Aumale e la Capellania Nazionale degli Artigiani della Festa. Il Signore sia la nostra vera e unica fame. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les séminaristes du séminaire de Paris, le Collège Saint-Joseph d'Aumale et l'Aumônerie nationale des artisans de la fête. Que le Seigneur soit notre unique véritable fin. Que Dieu vous bénisse. » Voilà, c'était donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en français. Voici maintenant le résumé en anglais. Les visiteurs souhaitent exprimer à vous leurs sentiments de profond respect et d'estime et vous assurer de leurs prières pour votre ministère comme le successeur de Peter. À la fin de l'audience, nous allons singer ensemble le Our Father en latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the vices and the virtues, we now consider the sin of gluttony. As a guest at the wedding feast of Cana, Jesus taught the goodness of food and drink and the joy of table fellowship. Rejecting the ritual distinction between pure and impure foods, the Lord turns our attention to our personal relationship with the consumption of food. In societies troubled by eating disorders, and which all too often waste great amounts of food, even as many people in our world go hungry, our eating habits should be moderate and socially responsible. May the prayers we say in thanksgiving for God's gift of our daily bread inspire us to be mindful of our responsibility towards others and virtuous in our enjoyment of the good things of this earth. The Holy Father will now greet us in Italian. Je souhaite la bienvenue à tous les pèlerins de langue anglaise présents à l'audience d'aujourd'hui, en particulier aux groupes venus de Corée et des États-Unis d'Amérique. Je salue également les prêtres de l'Institut de formation théologique permanente du Collège pontifical nord-américain. J'invoque sur vous tous et sur vos familles la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from Korea and the United States of America. I also welcome the priests from the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. C'était donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en anglais. À présent, voici le résumé de la catéchèse en allemand. Die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, unsere heutige Katechese handelt vom Laster der Unmäßigkeit im Essen und Trinken. Jesus erklärt im Hinblick auf die Speisen, nicht was in den Menschen hineinkommt, sondern was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Dadurch macht der Herr deutlich, dass es auf das rechte Maß und die richtige innere Haltung zur Nahrung ankommt. Diese geht in den Wohlstandsgesellschaften verloren, wenn entweder zu viel oder zu wenig gegessen wird. Die Unmäßigkeit hat sodann eine soziale Dimension,
die in der Ausbeutung der Ressourcen unseres Planeten zutage tritt. Lassen wir uns durch das Evangelium von diesem Laster heilen. Bewahren wir in Dankbarkeit die uns anvertraute Schöpfung und teilen wir ihre Gaben mit allen Brüdern und Schwestern. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, il Signore nell'Eucaristia. Chers frères et sœurs, dans l'Eucharistie, le Seigneur s'est fait notre nourriture céleste, qu'il nous donne la force nécessaire pour progresser sur le chemin de la vertu et nous conformer à lui. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat sich in der Eucharistie zu unserer himmlischen Speise gemacht. Gebe uns die notwendige Kraft, um auf dem Weg der Tugenden fortzuschreiten und ihm ähnlicher zu werden. C'était donc le résumé de la catéchèse du Saint-Père en allemand. Et maintenant, le pape François. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta va pour la suite prononcer sa catéchèse en espagnol. Que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, chers frères et sœurs, dans cette catéchèse, nous méditons sur la gourmandise, la folie du ventre, comme l'appelaient les anciens pères. Jésus nous a enseigné à être capable d'aimer la joie saine des noces de Cana, à asseoir les pauvres et les pécheurs à notre table en signe de communion, à ne pas nous soumettre de manière superstitieuse à des règles d'impureté, mais à considérer toute chose comme un don de Dieu confié à nos soins. De plus en plus, cependant, notre société montre des signes de perte d'un sens authentique de la relation avec les biens de la terre. De nombreux troubles alimentaires expriment la souffrance de tant de personnes face à cette réalité. Nous sommes passés du statut d'intendant des biens de Dieu à celui des consommateurs, possesseurs d'une voracité insatiable qui détruit la planète. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole. Demandons au Seigneur de retrouver le sens eucharistique du repas dans ce qu'il a d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne et de communion avec nos frères et sœurs, avec lesquels nous partageons la joie de la fraternité. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie de tout cœur. Le pape François qui à l'instant prononçait sa catéchèse en espagnol. Santo Padre. À présent, voici le résumé de la catéchèse du pape François en portugais. Todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Falo-vos hoje do vício da gula, tanto da gula pessoal como da gula social. Vista do ponto de vista social, a gula é talvez o vício mais perigoso, que está matando a terra.
pois o pecado de quem cede diante de uma fatia de bolo, tudo considerado, não causa grande dano, mas a voracidade com que nos lançamos sobre o planeta está a comprometer o futuro de todos. Renunciamos ao nome de homens para assumir o de consumidores. Ora, nós somos feitos para ser mulheres e homens eucarísticos, capazes de agradecer, morigerados no uso da terra, e, em vez disso, transformamos-nos em predadores. Não é difícil dar-se conta de que esta forma de gula nos faz muito mal a nós e ao ambiente onde vivemos. Deixemos que o Evangelho nos cure do vício da gula. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluti pellegrini di lingua portoghese. Je salue les pèlerins de langue portugaise en vous souhaitant de toujours prendre conscience du merveilleux cadeau qu'est la vie. Que la Vierge Marie veille sur vous, votre voyage et vous aide à être partout un signe de confiance et d'espérance. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous et sur vos familles. Saúdos peregrinos de língua portuguesa, com votos de que sempre possais dar-vos conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser, por todo lado, sinal de confiança e esperança. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. À présent, voici le résumé de la catéchèse du Saint-Père en arabe. وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على رذيلة الشراهة في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: أظهر يسوع تعاطفه مع أفراح الناس، ونرى ذلك في عرس قانا الجليل عندما فرغت الخمر فصنع المعجزة، وكان يجلس على المائدة مع الخطأ ويأكل معهم، كان يجلس معهم لأن المجتمع كان يرفضهم، وكان يسوع محافظا على الشريعة إلا أنه كان متفهما مع تلاميذه الجائعين، فبررهم لما قطفوا سنابل القمح في يوم السبت ليأكلوا. وقال قدسته: ألغى يسوع التمييز بين الأطعمة الطاهرة والأطعمة النجسة، عندما قال: ليس كل ما يدخل الإنسان هو الذي ينجسه، بل ما يخرج من قلبه. هذه العلاقة المطمئنة التي نبهنا إليها يسوع بخصوص الغذاء علينا أن نكتشفها من جديد ونقدرها. يسوع يريد أن يقول لنا إنه ليست الأطعمة نفسها هي المشكلة، بل كيف نتصرف بها. رذيلة الشراهة هي من أخطر الرذائل التي يمكن أن تقتلنا وتقتل كوكبنا بسبب تعاملنا الخاطئ مع خيراته. والآن تحية باللغة الإيطالية من قداسة البابا لأبناء الشرق الناطقين باللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Je salue les fidèles de langue arabe pour rester fidèles à leur vocation. Les chrétiens qui, par le baptême, ont revêtu le Christ sont appelés à vivre l'amour, la joie, la paix, la magnanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège de tout mal. الناطقين باللغة العربية،
المسيحيون الذين لبسوا المسيح في المعمودية مدعوون إلى أن يعيشوا المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف حتى يبقوا أمناء لدعوتهم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Le résumé de la catéchèse du Saint-Père en polonais. Wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu kateches o wadach i cnotach skupiamy się dzisiaj na wadzie łakomstwa. Co na ten temat mówi nam Ewangelia? Otóż Jezus, czyniąc pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, obdarował młodą parę dużą ilością dobrego wina. W odróżnieniu od Jana Chrzciciela często widzimy go przy stole wśród grzeszników. Co więcej, podporządkowując się prawu żydowskiemu, Jezus nie sprzeciwił się uczniom, którzy w dzień szabatu, podobnie jak król Dawid i jego towarzysze, z głodu zrywali kłosy pszenicy. Chrześcijaństwo nie skupia się też nad pokarmami czystymi i nieczystymi, lecz na naszej relacji do nich. Zostaliśmy stworzeni, aby być mężczyznami i kobietami eucharystycznymi, zdolnymi do dziękczynienia, powściągliwymi w korzystaniu z ziemi. My jednak przyjęliśmy postawę drapieżników, która wyrządziła wiele szkód nam i środowisku życia. Pozwólmy, aby Ewangelia uleczyła nas z łakomstwa osobistego i społecznego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Je salue cordialement les Polonais. Au début de la nouvelle année, il est important de se rappeler que la paix, tant désirée par tous, naît dans le cœur de l'homme. Que Marie, reine de la paix, vous soutienne, afin que vos projets et vos décisions naissent du désir de bien pour vous-même, pour vos familles, pour votre patrie et pour le monde entier. Je vous bénis de tout cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Na początku nowego roku ważne jest, aby pamiętać, że pokój, którego tak wszyscy pragniemy, rodzi się w sercu człowieka. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wspiera was, by wasze plany i decyzje wypływały z pragnienia dobra swojego, waszych rodzin, ojczyzny i całego świata. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione. Le pape François, qui dans quelques instants va s'adresser aux pèlerins de langue italienne. Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne
Je salue en particulier les fidèles de Terracina, ceux de Canosa di Puglia et les étudiants de Frosinone. Ma pensée va aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées et aux jeunes mariés. Je les invite tous à travailler toujours dans la nouveauté de vie que nous montre le Fils de Dieu qui s'est incarné pour sauver l'homme. Renouvelons dans la prière notre proximité avec le cher peuple ukrainien, tant éprouvé, et avec tous ceux qui souffrent de l'horreur de la guerre en Palestine, en Israël, ainsi que dans d'autres parties du monde. Prions. Prions pour ces personnes qui vivent la guerre. Prions pour que dans les cœurs des autorités germe la paix. À tous ma bénédiction. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et ori nostro in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Voilà, ainsi s'achève donc l'audience générale du pape François de ce mercredi 10 janvier 2024. Dans sa catéchèse sur les vices et les vertus, le pape a mis l'accent aujourd'hui sur le vice de la gourmandise qui nous amène donc à regarder de plus près ces vices qui nous enchaînent et à marcher avec la grâce de Dieu vers les vertus qui peuvent fleurir en tous, apportant le printemps de l'esprit dans notre vie. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis en direct via Facebook, YouTube et notre site internet vaticannews.va. Merci également à nos radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en France, Radio Notre-Dame, EWTN TV, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, RCF Radio Chrétienne en France, Radio et TV Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Santa Maria Network au Liban, Voix du Seigneur au Canada. Merci de rester fidèle au programme de Radio Vatican. Voilà, et nous vous souhaitons de bonnes choses à travers le monde. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Au revoir.